Pascal, tu fais quoi? Mais j'arrose les fleurs, bien perdu. Et quand je monte sur mon tracteur, je sais très bien que j'éteindrai pas le moteur avant d'éteindre le moteur. Histoire qu'il reste allumé, quoi. Alors d'un coup, je me réveille de mon rêve. J'escalade une montagne, qu'elle est belle. Je suis alpiniste. Peut-être, peut-être pas, ça je ne sais pas. Et quand je m'entre sur mon tracteur, je rêve de choses qui n'existent pas. Qui n'existent pas, de choses qui n'existent pas, de choses qui n'existent pas. Quand je fais des voyages, je vois les voyages dans mes rêves. Parce que je rêve de ces voyages, mais en fait, quand je rêve de ces voyages, je les imagine un peu. Ça, c'est toute une aventure, hein. Alors, c'est vrai que des fois, on peut dire des choses, mais moi je pense ce que je pense. Alors, c'est vrai que moi, je me dis parfois que bon, hein, je pourrais, voilà. Mais c'est vrai que, dans le fond, hein, il n'a pas totalement tort. Bon. Et c'est comme ça que j'ai demandé à la Lune. Non, c'est pas ça, tiens, Pascal. Qu'est-ce que tu dis, là? Tu racontes quoi? Pascal, il est pas content parce qu'il a pas eu son omelette pour le goûter. Il aurait aimé avoir un verre de rouge aussi, mais il l'a pas eu. Alors comment faire, ça je ne sais pas.